Il m'a embêté pendant des années. Quand j'étais petit, il a trouvé mes personnages. Je sais pas comment il a fait, mais c'est un génie. Aujourd'hui, nous sommes sur Akinator. Ouais. Les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes sur Akinator. Pour ceux qui ne connaissent pas Akinator, c'est tout simplement un génie qui nous pose des questions. On doit réfléchir à un personnage dans notre tête. Donc on pense à un personnage dans notre tête et il nous pose des questions. Et on doit répondre par oui, non, probablement, probablement pas ou pas du tout. Enfin, je crois, je sais plus. Et grâce à ça, il va trouver des personnages à qui on pense. Donc quand j'étais petit, je jouais toujours à ce jeu, hein, mais il a toujours tout trouvé. Donc cette fois-ci, on va lui mettre sa revanche et on va l'exposer comme ça. Comme ça, hein. Regardez bien, regardez bien. Terminé. Et le premier personnage, je ne vous dis pas, vous verrez bien quand il aura trouvé. Mais je crois pas qu'il va trouver parce que je suis beaucoup trop fort. Et ouais, mon pote. Alors première question, ton personnage a-t-il déjà joué dans un film de super-héros? Non, pas du tout, il a pas joué dans un film. Deuxième question, ton personnage existe-t-il vraiment? Réellement? Non, il n'existe pas réellement. Ton personnage est-il un animal? Non, c'est pas un animal. Et c'est loin d'être un animal, ok? Ton personnage va-t-il à l'école? Oui, il va à l'école. Ton personnage a-t-il une sœur? Oui, il a une sœur. Ton personnage a-t-il des cheveux jaunes? Oui. Attends, mais il est en train de trouver là. Ton personnage a-t-il une mèche blonde? Oui. Ton personnage a-t-il déjà eu une mèche de cheveux célèbres? Bon bah, je pense que t'as trouvé, vous avez trouvé aussi. Mais mec, il est beaucoup trop fort, c'est ouf, c'est n'importe quoi. Bah ouais, t'as raison, arrête de croire tes choses aussi, hein. Arrête de prendre le melon, parce que moi aussi là, là ça fait que 1-0, hein. Le deuxième là, il va pas trouver, hein. Après ça va faire un 1. Alors, première question de la deuxième partie, ton personnage est-il est-il masqué? Oui, il est... Non, oui, non, 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 il est pas masqué, non. Ton personnage sort-il d'un dessin animé? Non, il sort pas d'un dessin animé, il est loin d'être un dessin animé. Ton personnage est-il réel? Non, il n'est pas réel. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Oui, il a des cheveux noirs, oui. Ton personnage est-il moustachu? Probablement. Ton personnage a-t-il un rapport avec les génies? Probablement. Ton personnage a-t-il des jambes? Oui, il a des jambes, enfin, heureusement. Ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo? Oui. Ton personnage utilise-t-il des armes à feu pour combattre? Oui. Ton personnage apparaît-il dans le jeu GTA? Non. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Ton personnage combat-t-il des monstres? Non. Ah, c'est dur d'un coup, hein, c'est dur, hein. Ton personnage est-il un personnage de western? Non, on n'est pas sur Red Dead Redemption. Ton personnage a-t-il un rapport avec les bonbons? Pourquoi les bonbons, non? Ton personnage est-il militaire? Oui. Ton personnage a-t-il un lien avec Ubisoft? Non, non. Ton personnage porte-t-il une combinaison noire en latex? Probablement. Ton personnage fait-il de l'escalade? Bah, je pense, ouais, parce qu'il monte partout, donc oui. Il a trouvé! Comment il a fait? Ouais, c'est Splinter Cell, ouais. Critiquez pas Splinter Cell parce que ça va pas le faire entre nous, hein. Hein? 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 Ah, j'ai pas joué que Akinator quand j'étais petit, j'ai joué à Splinter Cell le plus souvent. Sur PS2. À qui je vais penser? Attends, y'a pas un truc là? Si, c'est bon. Ton personnage a-t-il déjà porté la moustache? Non. Ton personnage est-il masculin? Oui. Ton personnage porte-t-il une arme? Oui. Ton personnage possède-t-il un petit carnet? Oui. Ton personnage résout-il des énigmes? Oui. Mais mec, il est beaucoup trop chaud. Mais comment il a fait? Ouais, c'était ça, ouais. Et il a trouvé. Je sais pas comment il a fait. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Comment allez-vous? Le mec, il fait une outro et une intro en même temps. Le mec, il est trop con, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé. Gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si on se perd de vue, remettez vos lunettes. Enfin, n'oubliez pas de mettre les lunettes. C'est la blague de mon pote, ouais. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.